À l'occasion de la Semaine mondiale de l'allaitement maternel, je vais te montrer comment allaiter ton bébé en portage avec un sling. Allez, c'est parti! Tu portes ton bébé en sling et tu es déjà à l'aise avec ce moyen de portage. Tu es également déjà à l'aise avec ton allaitement qui est démarré et lancé. Tu peux donc te mettre à essayer d'allaiter en portage. Allaiter en portage te permet de libérer tes bras, d'avoir moins de poids qui tire sur les épaules et les coudes lorsque tu allaites à l'extérieur de chez toi, mais cela peut aussi te permettre de faire quelque chose d'une seule main alors que le bébé t'en demande, par exemple lorsque tu as des aînés à gérer. Alors, c'est parti, je vais te montrer comment allaiter en sling. Ton bébé est installé dans le sling vertical normalement. On va commencer par faire le cas facile, le cas pratique, où en fait tu veux lui donner à téter le sein qui est du côté opposé aux anneaux. Le côté où ton bébé a déjà sa tête, c'est bien pratique parce qu'il y a beaucoup moins de manipulation. On commence comme ça, tu vas bien maintenir ton bébé dans le dos et tu vas desserrer le sling en soulevant l'anneau qui est visible et en tirant vers le haut. Une fois l'anneau desserré, le sling desserré, tu vas pouvoir passer une main dans le sling, attraper les fesses de ton bébé et l'aider à pivoter pour le mettre en position d'allaitement. Cette position, c'est du ventre à ventre. Tu mets bien le ventre de ton bébé contre ton ventre. L'axe de sa colonne vertébrale et de sa tête est respecté. Il n'a pas à tourner la tête pour attraper le sein. Vérifie bien que le tissu reste bien au creux des genoux de ton bébé et que l'ourlet supérieur arrive vers sa nuque. Maintiens toujours sa tête, ne couvre pas sa tête avec le sling, ne contrains pas sa nuque et fais attention à ce qu'il ne glisse pas par en dessous du sling. Une fois que tu as bien vérifié tous ces points et que ton bébé est à hauteur de ton sein, tu vas pouvoir resserrer légèrement ton sling. J'aime bien faire l'ourlet inférieur et l'ourlet supérieur principalement, ce sont eux les plus importants. Une fois que ton bébé est maintenu, tu vas pouvoir allaiter. Alors, j'ai mis un haut d'allaitement spécialement pour ça. Et voilà, c'est ainsi que tu peux donner la tétée à ton enfant en sling. Si tu veux changer de côté, soit parce que tu as déjà précédemment donné ce sein-là, soit parce que ton bébé tète les deux seins à chaque tétée, ce qui arrive très fréquemment, je vais te montrer comment faire. On repart de la position verticale pour montrer le cas de figure où tu veux donner ce sein-là à tétée. Là, c'est un petit peu plus compliqué, mais rien de sorcier, tu vas y arriver. Voilà. Tu vas desserrer ton sling en attrapant l'anneau qui est visible et en montant. Tiens bien fermement ton bébé pour éviter tout risque de chute parce que tu as beaucoup desserré le sling. En le tenant bien, en empêchant qu'il bascule en arrière, j'aime bien mettre la main, le bras comme ça, tout l'avant-bras. J'ai la tête qui est calée et j'ai tout le dos qui est retenu pour un petit bébé qui manque de tonus. Je passe ce bras à l'intérieur. Hop, je décale mon bébé et je change de bras. Hop, à présent, les anneaux sont dans ton dos. Tu vas donc installer ton bébé pour la tétée et vérifier que tout le surplus de tissu soit au creux des genoux. Tu peux bien faire un accordéon avec la main pour rattraper tout le surplus et le mettre au creux des genoux. Tu montes tout le tissu sur ton épaule et tu vas prendre la position de madone inversée. Alors là, c'est la position de la madone. La madone inversée, tu vas venir avec l'autre bras, mettre les fesses de bébé au creux du coude et venir délicatement soutenir sa tête pour ensuite serrer le sling ainsi. Sa deuxième main, hop, et voilà,
Si tu as encore du mou, comme ça, tu peux ramener le mou vers les anneaux avant de resserrer. Et voilà. Tu peux donner l'autre sein à ton bébé. Pour revenir à la position de départ, parce que quand on allaite en portage, même si c'est ventre contre ventre, on reverticalise toujours bébé après la tétée, après son repas, pour éviter tout risque de suffocation. Alors, pour revenir à la position initiale, on va à nouveau desserrer le sling en attrapant les anneaux comme ça et en soulevant. Et on va de nouveau inverser les bras. Hop, je reverticalise mon bébé. Je peux m'aider de mon visage, de mon menton délicatement pour le caler, le retenir si jamais j'ai peur qu'il bascule. Je remonte les anneaux sur mon épaule et là je vais réinstaller bébé. Hop, je vérifie que ses pieds soient bien dégagés mais que le tissu soit bien au creux des genoux. Tout le surplus, tout le mou, je le ramène près des anneaux. Les anneaux, je les mets haut sur l'épaule, les épaules avant de serrer parce qu'ils vont descendre à chaque fois que je vais resserrer mon sling. Je vais commencer un peu l'ourlet supérieur et surtout l'ourlet inférieur qui va me permettre d'accentuer la bascule et de verrouiller l'assise de mon bébé. Encore un peu d'ourlet inférieur et maintenant je pars sur l'ourlet supérieur car on voit que mon bébé n'est pas assez maintenu par le tissu. Je ramène tout le mou vers les anneaux et je vais serrer d'abord l'ourlet supérieur et ensuite un petit pli par pli. Comme d'habitude. Et voilà, mon bébé est de nouveau installé en sécurité, en sling. Et ainsi, on a pu allaiter des deux côtés en sling. Est-ce que ça te dirait que je te montre comment allaiter en écharpe tissée, en préformée ou en maille taille? Dis-moi en commentaire lequel de ces moyens de portage t'intéresse pour apprendre à allaiter et je te le montrerai dans une autre vidéo.